Coucou, et comme il y avait 30% sur la boutique Mademoiselle Madeleine, j'en ai profité pour faire un casse sur les baumes. Ben, un casse, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'était dans ma dernière pochette, il y avait 30% avec le code promo FIRST sur sa boutique et certaines marques. Il y a des boucles d'oreilles, il y a des fringues, il y a, vous verrez si ça vous intéresse. J'ai eu une petite carte. Avec un petit mot, voilà, il y avait des bonbons. Hein. Je les ai mangés, bien sûr. Hein. Là, c'est toutes les marques qu'elle fait sur sa boutique. Et moi, il y a une marque que je voulais essayer, que j'ai tilqué sur les baumes à lèvres de Tokyo Milk, qu'il y avait en bougie aussi. Et il y avait aussi des savons de la même marque. Et il y avait des... la crème pour les mains. Alors, comme je ne pouvais pas me décider sur les parfums, je les ai tous pris, enfin, tout ce qu'il y avait dans sa boutique du moment. Alors, dans ma petite pochette, j'avais un petit échantillon de Juliette As Again. Ça sent super bon, c'est un petit parfum. Voilà, Romantina. Ça embaumait le paquet, Beige and Black Bottle. C'est principaux ingrédients, musc, fleur d'oranger, infusion de vanille. Inutile de vous dire que ça sent super bon. Voilà, c'est un petit échantillon que j'ai eu de Mademoiselle Madeleine avec ma commande. Je le mets dans ma petite trousse de voyage, ça sent très très bon. Alors, on va attaquer par les baumes. Alors, le premier que j'ai pris, il est au miel. Comme vous voyez, les petites abeilles. Voilà, ça se présente. C'est très joli à offrir. Hein. Dans un package, tout en anglais. 12 mois. Honey Blossom. Tokyo Milk, vous voyez. Flavor, le saveur Honey Blossom, bonbon, numéro 3. Tous les petits dessins sont pailletés. Et... ça, c'est le petit logo du dessus. Voilà. Et il y a une petite citation sur toutes les petites boîtes. Alors là, attendez que j'arrive à lire. Soul meets soul on lover sleeps Perry Shelley. Voilà. In English, in the text. Tokyo Milk. Et dedans, on trouve un petit pot très vintage, Tokyo Milk, by Marc Elena, on dirait. Petite autruche, Tokyo Milk, Honey Blossom. Et au fond, c'est une petite étiquette avec les ingrédients. The Art of Kissing. Et ça se présente dans un petit pot. Celui-là, il sent le miel. Je ne l'ai pas entamé, celui-là. Ça doit faire 15 ml. Je ne l'ai pas. Hein. C'est tout en anglais, je n'ai pas la précision. Je crois que c'est 15 ml. Ah, voilà, le premier. Ce miel, j'en ai 6 ou 7. Hein. Je crois que j'en ai. Si j'arrive pas, je m'en offrirai. Alors, un autre, c'est... ah, il y va. C'est à la violette, je crois, à la violette. Voilà, avec un petit dessin aussi, toujours, avec des petites paillettes. Et toujours. Candice Violette. À la saveur Candy Violette numéro 107. Il doit y en avoir d'autres, hein. Là j'ai pris ce qu'il y avait, mais il y en a d'autres hein, qui sortent avec. Candice Violette. Voilà. Alors, toujours une petite citation. Un kiss, ça brille. Je vais y arriver. A kiss is two souls for a moment in time. Inconnu. Un baiser rassemble deux âmes pendant un instant. Alors, à la violette, celui-là, c'est toujours pareil, dans un petit pot très vintage.
sont tous la même couleur. Hein. C'est blanc, blanc crème. Ça sent la violette, effectivement. Toujours avec la petite autruche. Hein. C'est l'Inde. Après, j'ai pris au thé, ice green tea, avec une petite chinoise ou une japonaise, on dirait une japonaise plutôt. Avec des petits strass aussi, très pailletés. On le voit. C'est ice green tea, bonbon lipa numéro 37. Là. On l'ouvre par en haut, on tombe sur un petit bâtiment asiatique, Tokyo Milk, et un petit éventail avec une citation: Kissing is like drinking salted water drink, and your thirst interest Chinese proverbe. Proverbe chinois. Bon, je vous laisse faire la traduction. Ah, soit il sort. Kissing. C'est la petite citation. Tout pareil, dans un petit pot. Celui-là, ils sont le thé vert et le citron confit. C'est très frais. Dans le. Ouais, le thé vert. Dans un petit pot, toujours pareil. Courage, il n'y en a que quatre autres. Alors après celui-là, c'en est un autre. Vous voyez, des femmes en robe de bal, toujours avec des petits strass hein, dans les cheveux, sur la robe. Opéra mint, je crois que c'est menthe poivrée de mémoire celui-là. Saveur opéra mint, 82. Voilà. Quand on le par-dessus, il doit y avoir la petite citation. Une petite citation, bien sûr. Un kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous, de Ingrid Bergman. Alors, celui-là, un petit pot aussi, et celui-là, c'est menthe au poivré. Ah ouais, ça sent très naturel. On dirait, on en mangerait, on dirait que c'est de la nourriture. Menthe poivrée, opéra mint. Tiens, je vais mettre de côté celui-là. Je vais l'utiliser. Après, c'est celui-là que j'ai eu à la place de cerise, que Mademoiselle Madeleine m'a contacté. Elle a eu la gentillesse de me contacter sur mon portable et mon fixe, attention, je ne sais pas comment elle l'a fait, pour me dire si ça ne me dérangerait pas d'avoir le cake à la place. Celui-là, c'est le premier que j'ai ouvert et il est. On dirait de la crème fouettée, on dirait du bonbon. On dirait de la crème pâtissière, voilà. C'est un petit gâteau avec une cerise. Sweetie, sweet cream, voilà. On dirait de la crème sucrée fouettée. C'est le numéro 93, bonbon. Celui-là, c'est le premier que j'ai essayé. J'en ai essayé qu'un pour pas mettre des microbes dans le pot. Et toujours une petite citation. I'm not, it's not a kiss, the very autograph of love, de Henry Pink. Avec une question, n'est-ce pas un baiser, l'autographe de l'amour, le signe de l'amour. Toujours pareil, dans un petit pot. Très vintage, je vous dis, à ouvrir, c'est très sympa. Il y a les bougies parfumées ou les savons. J'ai préféré prendre les baumes pour les lèvres. Voilà, petite autruche. Et il en reste deux. Celui-là, c'est un noix de coco, je crois. C'est, on dirait Marie-Antoinette, vous voyez, une robe aussi. Avec des petites paillettes dessus, c'est. C'est saveur Let them eat cake. C'est au gâteau. Mangeons les gâteaux. Numéro 68, c'est vanille coco, oui, de mémoire. Let them eat cake.
Congo, bien sûr, il y a une petite citation in English. Where should an oath perform? A young woman asked, wherever one wants to be kissed. J'ai dit de Coco Chanel. Voilà. Et celui-là, ça doit être vanille noix de coco. Je vous confirme, ça sent la vanille. Celui-là, je ne l'ai pas entamé non plus, j'en utilise qu'un à la fois. Je vais sortir le petit cake. Et c'est celui-là que j'ai entamé. Il est court. Ouais, je ferme ça. Hop là. Et le petit dernier que j'ai à vous présenter, que j'ai pris hein, quand même, ça fait déjà pas mal, c'est à la rose. Et on voit une rose dessus avec aussi des sortes de petites paillettes, hein, ça gratouille, petites paillettes dessus, vous voyez, ça scintille. Voilà, c'est tout ça la cire d'abeille, le baume. C'est pour ça que vous voyez des petites abeilles sur toutes les boîtes. Rose Water, c'est Rose Water, oui, numéro 71. Il doit y avoir une petite citation dessus. On the draw with one long kiss, my whole soul to lips as sunlight gets to d'Alfred Lord Tennyson. Le soleil, un coup il sort, un coup il se cache. Là, on le voit bien. Et c'est toujours pareil, je ne vais pas le voir sortir, c'est dans un petit pot. Tokyo Milk. Et voilà, ça c'était mes petits achats. Très sympa pour offrir. Et j'ai sorti un manteau poivré et le petit gâteau à mon usage personnel pour cet après-midi. Allez, à plus.